Dans le jardin de Puff, je filme le plumage du paon. Parfois, il me semble qu'on pourrait trouver toutes les structures de la vie ici. Je me demande si quelqu'un qui trouverait différentes plumes dans le paon pourrait croire qu'elles appartiennent au même animal, et comment il ou elle imaginerait cet animal. Je voudrais raconter une histoire aussi différente que les plumes du paon. Peut-être que je peux raconter l'histoire d'un Texort. Le paon qui vivait dans le jardin de Puff est mort. Sa mort n'était pas paisible. Il avait du mal à brailler ou à respirer. Il perdit l'équilibre, il s'allongea. Puis un grand flottement, puis sur son dos, essayant d'utiliser ses ailes dans un tourbillon pour se redresser. Les pattes en mouvement, puis mort. Monsieur Lippmann? Antoine Dupont. Bonjour. Vous parlez français? Un petit. Vous êtes en vacances? Oui. Vous voulez vous reposer? Oui. C'est idéal pour se reposer ici. C'est un village très tranquille, très calme. Nous avons une très très belle forêt. Pour faire les promenades, c'est super, vous allez voir. Mais il faut faire très attention aux chasseurs. Je ne comprends pas. Les chasseurs, tout ce qui bouge, ils tirent. Est-ce que quelqu'un est mort? C'est arrivé. Un accident, mais ça arrive. Entrez. Par ici, par ici. Pedersen. Merci.
Bonjour. Bonjour. Je suis votre voisine, j'habite juste là. Vous venez d'arriver ? Oui, je suis arrivée hier. Ah, d'accord. Bah écoutez, bienvenue, je m'appelle Geneviève. Antek, enchantée. Ça c'est ma fille, Morgane. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air fatiguée, on vous a réveillée ? Oui, j'ai dormi. Oh, je suis désolée. Bon bah écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous frappez à la porte. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir.
Bonsoir. Merci. Les Allemands aiment bien aller en France. Ça a commencé déjà il y a longtemps, du temps des Romains. La première fois, c'était les Huns avec Attila. Ils sont arrivés comme ça, de l'autre côté du Rhin. Ils sont descendus jusque Paris. Et là, Sainte-Geneviève, qui à l'époque n'était pas encore une sainte, le même nom que ta maman, c'est elle qui a défendu Paris des Attila. Alors, il a reculé, mais les légions romaines sont arrivées et ils l'ont vaincu ici, dans les champs cataloniques. Là, c'était fini pour lui. Mais après, comme ils aiment bien venir, ils sont revenus. Alors, une fois, en 1914, pareil, ils ont pris le même chemin. Ils ont descendu. Ils sont passés ici, dans l'Aisne, ils ont passé Reims et ils sont arrivés jusqu'ici, à la frontière de la Seine-et-Marne. Mais le général Gallieni, avec les taxis, ce qu'on appelle les taxis de la Marne, il a pris toute l'armée française et les a mis en taxi. Ils ont repoussé les Allemands jusque dans l'Aisne, ici, au chemin des Dames. C'est là, tout à côté. Tu connais? Tu es déjà allé au chemin des Dames? Tu l'as visité? Oui. Eh bien, tu vois, c'était là. Et il est resté là pendant 4 ans. Toute la durée de la guerre. Mais en 1917, le général Nivelle a voulu faire une grande offensive pour essayer de rejeter les Allemands de l'autre côté de la frontière. Mais ça n'a pas réussi. Il y a eu 100 000 morts pour rien. Jusqu'en 1918, où le front a cassé, les Allemands sont remontés vers la Belgique. Et le 11 novembre 1918, le clairon de l'armistice a sonné et la guerre était finie. Toi aussi, c'est une terre d'histoire. Faut t'en souvenir. Je sais pas. Non. Il a le droit de faire ça ou pas? Non. Il a construit. Je ne sais même pas s'il a un permis de construire. Il a construit. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez manger à la maison ce soir? Vous avez compris? Vous avez compris? Venir manger ce soir à la maison? Est-ce que vous venez manger ce soir avec nous? Oui. Oui? Oui, merci. Pour le mais dîner. Je suis fatigué. Non, faux. Vous ne pouvez pas refuser. Juste un petit repas, simple. Très simple. Ça va être très bon, elle cuisine extrêmement bien. Oui. C'est très bon. Cuisine française. Allez, venez dîner avec nous, vous allez voir. Allez, vous devez venir manger avec nous. Dans une demi-heure, le temps de se préparer. Vous comprenez? D'accord. Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'adore ta soupe. C'est exactement comme celle que ma mère faisait. Je pense que c'est vraiment un truc de maîtresse de maison. Tu sais que ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, Gisèle et Antoine? Ça fait 10 ans qu'on te connaît, hein, que tu es arrivée à la maison avec ta petite fille. Oui. Et ça fait 10 ans qu'elle travaille pour moi. J'en suis très satisfait, elle travaille très bien. Elle fait partie un petit peu de la famille maintenant. C'est gentil. Et vous, vous avez des enfants? Non. Et vous êtes mariée? Tu vois, je l'avais dit. Geneviève non plus n'est pas mariée. Et tu viens d'où? D'Allemagne, exactement? La soupe est très bonne. La soupe est bonne.
Vous venez de quelle ville en Allemagne? Je ne comprends pas. À votre santé. Vous avez eu le temps de visiter la région? Oui, hier je fais une grande promenade dans la forêt. Ah bon, mais vous ne savez pas, on a trouvé un mort dans la forêt. Et je ne sais pas si tu as entendu, si tu... Il y a une semaine, oui. Il y a une semaine. Oui. On ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre, on ne sait pas. J'ai entendu un... Ah oui? Un coup de fusil. Deux coups de fusil. Mais est-ce que c'est vrai? On n'est pas sûr, en fait. La police enquête, faut leur laisser faire leur travail. C'est génial, la PAF. Il y a tellement d'artistes qui viennent tous les ans, ils font plein de projets. C'est incroyable, je viens souvent voir ce qu'ils font. C'est vraiment super. Il y a quelques règles, la PAF. Alors la première, c'est ne pas laisser de traces. T'as pas le droit de laisser de traces. Et puis c'est celui qui fait qui décide. Ça veut dire que si quelqu'un a un projet, il prend l'initiative, il fait ce qu'il veut, il prend la décision. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de chef. Mais qui est le propriétaire de PAF? C'est un ancien danseur. Il a acheté cet endroit il y a des années. Mais en fait, on ne le voit jamais, il n'est jamais là. Il fait confiance aux gens et il laisse l'espace libre pour les artistes. Et ça marche? Oui, ça marche bien. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, ici, c'est une cave que quelqu'un de PAF a trouvée. Il a décidé de faire un bar dedans. Et même s'il est parti, ça continue à fonctionner. Et ce soir, c'est Ricardo, le DJ, et qui sert à boire aussi. Mais peut-être que demain, ça sera quelqu'un d'autre. Ça tourne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qui ça? Les artistes. Tu veux dire à PAF? Oui, oui. Ah bah, ils font plein de choses. Il y a des scénaristes, il y a des chorégraphes, il y a des danseurs. Il y a un peu de tout, en fait. D'ailleurs, il y a des performances. Si tu veux, on peut aller voir une performance. Ça te dirait? Oui, avec plaisir. Super. On se fait la bise pour se dire au revoir. Sur les deux joues. Comme ça. Bonne nuit. Bonne nuit.
Tu connais les modèles réduits d'avions? Tu sais, c'est ces maquettes avec un vrai moteur, assez large quand même, genre 2 mètres. Bah, en fait, Luc fait partie du club. Et ici, c'est un peu leur terrain d'entraînement, si tu veux. Mais Morgane, elle aime bien faire du roller. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la plus grande base aérienne allemande ici. Ici ? Tu viens souvent ici ? Ah bah, de temps en temps. C'est parce que si le club est là, faire du roller, c'est un peu dangereux. Tout habillé? Tu fais une insomnie ou quoi? Écoute, il faut que j'amène Luc à l'hôpital. Ça t'ennuie d'amener la petite à l'école? Avec ma voiture? Moi, je vais partir avec celle de Luc. Oui, d'accord. D'accord? Maintenant? Non, 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 à 8h. Tiens. Ça t'embête pas? Non, merci. Merci. Ne marche pas. On n'a qu'à chanter. Chanter? Viens avec maman, on chante. Quand l'ouverture ne marche? Oui. Pas? Ok. Qu'est-ce qu'on chante? L'amitié. Une chanson? Oui. Je ne connais pas. Frère Jacques. Frère Jacques? Ok. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding dong dong. Frère Jacques, dormez-vous. Ding dong dong, ding dong dong.
C'est bon, là? Non, on ne voit pas. Voilà, là, c'est bien. Il est trop grand, ce chapeau. Oui. Comment Luc? Tu veux dire comment on va Luc? Oui, comment on va Luc? Il a mal au ventre. Mais c'est pas grave. Hein? Non, non, non. Je me suis inquiétée, mais c'était rien. Tu connais hypochondriac? Oui. Voilà. Et ton unique cousin? Est-ce que c'est mon seul cousin, tu veux dire? Oui. Oui, oui, oui. Tu es frère et sœur? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Et toi, tu as des frères et sœurs? Et toi, tu as des frères et sœurs? Non, toi, en tech, est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, tu as des frères et sœurs? Bon, j'ai une sœur. Est-ce que toi, tu as une sœur? J'ai une sœur. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Maman, est-ce que je peux aller là-bas? Ah non, tu vas pas dans la forêt. Tu sais qu'ils ont trouvé un deuxième mort dans la forêt? Oui. Mais qui l'a tué? On ne sait pas. Je suis beau. Très joli. Très joli. Pas mal. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui. Je voudrais acheter un meuble là-bas, je veux savoir, faites des livraisons ou pas? Pardon? Vous parlez français? Oui, oui. Est-ce que vous faites des livraisons? Oui, mais ça veut 10 heures en plus. Ah oui, très bien. Vous venez d'où? Je suis allemand. Ah. Tes chaussures, par contre, tu fais des chaussures. Comment? Je cause de mon nom. Ça va? Attends, attends. Ça va? Oui.
Je me réveille dans un rêve vieux, sans corps, sans nom, aussi sans souffle. Est-ce que je suis un fait, une chose, un rêve, quelqu'un qui n'est personne? Appelle-moi main, je te caresse, appelle-moi doigt, avec ivresse, je te caresse encore plus tendre. Appelle-moi bras et je t'enlace, appelle-moi lèvres et je t'embrasse, appelle-moi cœur et je m'en vais. J'ai perdu tous mes noms dans le rien du monde. Si seulement je savais. Je pouvais les trouver, je te trouverai. Ça va? Oui. Ça te dit prendre un café? Non. Non quoi? Impressionnant. Ouais. C'était quoi, avant? Bonjour. Bonjour. C'était un couvent et après une école. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de ranger des couvertures parce qu'il y a eu une manifestation hier et des artistes avaient froid, donc ils ont pris toutes les couvertures. Je me suis trompée, c'est dans la cave. C'est là-bas.
Qu'est-ce que tu fais? Il y a ma fille qui dort, tu te rends pas compte? T'es devenu fou, quoi? Je vais éteindre cette radio. Venas Mechaninas. Le gâteau enchanté. Un jour, un nouveau voisin est arrivé. Ma mère le trouvait assez sympa. Du coup, elle a décidé de faire un gâteau enchanté. Après avoir consulté le grimoire, maman a ajouté des ingrédients spécifiés et magiques. C'est pas facile de réunir tous les éléments, mais elle est arrivée. Nous étions très excités voir si le gâteau marchait. Et maintenant, Antek fait partie de la famille. Cool.
Bon, alors, je cherche un autre vendeur, mais j'ai pas... Enfin, je m'en fous, hein, qu'on se voit. Enfin, pas qu'on se voit, pas qu'on se voit, mais que... On se... et du coup, j'ai ça... J'ai acheté ça et c'est cassé, donc... Donc, voilà. C'était combien ? 15 euros. Je viens pas pour le café, hein, pas du tout. Enfin, si tu veux prendre un café, c'est cool, hein, mais je viens pas pour le... Tu as le ticket ? Non, non, je l'ai pas, non. C'est important ou... Non. Ah ben merci, du coup. Tu as 5 euros ? Je vais voir. Oui. Merci du coup. Alors ce café? Dire quoi? Le nom de mon grand-père. Ah, c'est le nom de ton grand-père? Ouais. Et c'est quoi ton nom de famille? Lippmann. Lippmann? Oui. Antek Lippmann? Oui. Ça veut dire amour et homme? Oui. Oui. Sébastien. Sébastien. Oh, Sébastien. Tu es enceint? Ouais. Pourquoi tu es ici, en France? Je ne sais pas. Pour toi? Putain. Et tu faisais quoi en Allemagne? Je suis un enseignant. Enseignant? Ouais. Quoi? De l'amour. Et toi? Moi, je fais la logistique. C'est une compagnie qui distribue des pâtisseries dans toute la France. C'est un peu... Tu es un pâtissier? Oui. Oui? Oui, en gros, oui.
va chez toi. Allez. Bonsoir. 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 Geneviève, ma voisine. Sébastien. Sébastien. Enchanté. Enchanté. Mon ami. Merci pour le gâteau. Oui, c'est super bon. Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu veux boire un verre avec nous? Ah non, c'est gentil, mais il faut que je termine. Je suis désolé pour l'autre nuit que... Non, mais c'est pas grave. Bonne nuit. Bonne nuit. Fokana. Quoi? Fokana. Je suis un faux canard? Non, là-bas. Le canard de plastique. Je crois que tu dis que je suis un faux canard. Ferme les yeux. Pourquoi? Ben, ferme les yeux, tu verras. Pourquoi? Ben, tu me fais pas confiance. Fokana? Oui. 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 Eh bien. Non mais faut dormir quoi. Pourquoi tu dors pas? Hein? Pourquoi tu dors pas?
simplement. Bon, on va le trouver ensemble alors. Le mot. Was denn du hier? Ja, was mache ich hier? Ist ja eine schöne Begrüßung. Bist du hierher gekommen? Willst du mich nicht vorstellen? Hi, I am Ines. Moi, c'est Sébastien, enchanté. Er versteht dich nicht. Gut, je t'appelle plus tard. D'accord? Ja, pourquoi? Oui, ok. Au revoir. Au revoir. Hast du jetzt ein neues Leben angefangen? Was willst denn du hier? Hast Farbe gekriegt? Ja, ist halt Sommer. Ich geh erst mal duschen. Ist übrigens hier. Und wie küsst der Franzose? Keine Ahnung, wie der Franzose küsst, aber Sebastian küsst gut. Mama hat jetzt Pflegestufe 1. Neulich hat sie mich mit Renate verwechselt. Und nach dir fragt sie immer. Was soll ich Ihnen sagen? Ich kann mich da gerade nicht drum kümmern. Sie interessiert sich nicht mehr für den Inhalt von Worten, sondern für deren Melodie. Wenn ich sage, hier ist ein Amaretto, passiert nichts. Wenn ich aber sage, Amaretto, dann gehen die Lampen an. Ich könnte aber genauso gut auch sagen, Atomkrieg. Ich überlege jetzt, ob ich mich mit einer Musiktherapeutin berate, wie ich besser mit ihr kommunizieren kann. Heißt das für eine gute Idee? Ich weiß nicht, ist deine Entscheidung. Ich habe die Mutter von Ben angerufen. Was? Wollte mal hören, wie es der Frau geht. Du hast was? Ich habe meine Anteilnahme ausgesprochen. Bist du bescheuert? Wieso? Wie kommst denn du darauf? Ihr Sohn ist tot. Was hat das mit dir zu tun? Antek, du bist nicht mehr da. Halt dich aus meinem Leben raus. Ach, jetzt ist es auf einmal wieder dein Leben. Ja, und du hast da nichts drin verloren. Das Zimmer hier ist schrecklich. Es ist wie so ein Ibsen oder so ein Strindberg. Bist du glücklich, Schwester? Ich wandle wie im Schlaf, ich weiß. Aber ich will nicht geweckt werden. Dann könnte ich nicht mehr leben. Meinst du nicht, wir wandeln alle im Schlaf? Ich studiere Jura, wie du weißt. In den Rechtsverhandlungen lese ich oft von großen Verbrechern, die sich nicht erklären können, wie es zuging. Sie glaubten, recht gehandelt zu haben, bis sie entdeckt wurden und erwachten. Ist es kein Traum, so ist es doch ein Schlaf. Lass mich schlafen. Ich weiß, ich werde einmal erwachen. Möge es noch lange dauern bis dahin. Gut, ich bin still. Nein, sprich lieber, aber nicht davon. Wenn du schweigst, kann ich deine Gedanken hören. Arme Schwester. Weißt du, was der größte Schmerz ist? Die Nichtigkeit des höchsten Glücks zu erkennen. Man versucht ihnen doch neue Perspektiven zu eröffnen, dass sie begreifen, dass es mehr gibt als nur das, was sie von zu Hause kennen oder im Fernsehen gesehen haben oder im Internet. Dass sie merken, dass die Welt größer ist als nur dieser beschränkte Schulhorizont.
Ich weiß gar nicht, warum ich das so falsch eingeschätzt habe. Was hast du falsch eingeschätzt? Ja, dass ich das nicht gesehen habe. Das ist ja was Pathologisches. Das ist genauso wie damals, als das mit Lars zu Ende ging. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Ja, man ist 6 Jahre mit jemandem zusammen und plötzlich nur wegen einer kleinen Sache bricht dann alles auf einmal zusammen. Ich habe Lars neulich getroffen. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Wieso? Na, ich glaube, der hat was machen lassen. Und das passt. Naja, ich habe damit nichts mehr zu tun. Antek, jetzt stell doch bitte nicht so fatalistische Zusammenhänge her. Du hast keine Schuld. Ich weiß, dass ich keine Schuld habe. Aber es gibt doch sowas wie Verantwortung. Ich sitze da in der Lehrerkonferenz und red mir den Mund fusselig. Und die anderen, die... Ja, alle anderen, die hätten Ben abgeschoben. Kopf in Sand, habe ich nichts mit zu tun. Ja, hätte ich auch machen sollen. Das ist mehr als ein Worst Case. Für einen Amoklauf kannst du keine Verantwortung übernehmen. Der hätte jederzeit wiederkommen können. Hast du dich eigentlich beurlauben lassen oder bist du einfach abgehauen? Ich habe neulich so ein Buch in der Hand gehabt. Die 5 Phasen des Trauerns. Komm doch nicht mit deinem Psycho. Jetzt wart's doch mal ab. Du bist eindeutig in der 1. Phase. Verdrängung. Du fährst weg, du meldest dich bei niemandem ab, du gehst nicht zur Gedenkfeier und die leeren Flaschen in der Küche, die sprechen auch für sich. Antek, du sollst nochmals vor Dr. Balder gehen. Das bringt doch nichts. Geh du doch zu Frau Balder. Hey, du bist echt so pubertär und du bringst mich auch in so eine komische Rolle. Mit mir kommst du nicht weiter. Da habe ich dich nicht drum gebeten. Was ist denn so schlimm daran, nochmal zu dieser Frau oder zu irgendjemand anders zu gehen? Weil ich muss meinen eigenen Weg finden. Fehlt's mir. Hast du nochmal nachgedacht? Nee. Komm, wir fahren in die Provence. Und wer fährt, sucht die Musik aus. Ich will nicht in die Provence. Ich weiß nicht mehr, wer du bist.
Antoine s'est fait arrêter cet après-midi. Les flics sont venus au bureau, ils pensent que c'est lui le tueur. Le tueur de la forêt. Et ils l'ont arrêté et il faisait des blagues avec les flics. Il est parti en riant. Tu te rends compte, ça fait des années que je lui laisse ma fille. Le mercredi après-midi, il s'occupe de lui avec sa femme. Il y a déjà deux témoins. Je peux pas y croire. Tu dis rien? Je peux entrer? Je peux pas entrer? Je suis désolée. Ça va? Oui, ça va. Et tu devais pas m'appeler? Viens. Je suis désolé. Je pensais que ça marche, mais ça marche pas. C'est tout? C'est tout ce que t'as à dire? Ça marche pas? Rien d'autre, c'est tout? Ça marche pas. Et la fille, la dernière fois, c'était qui? C'est ma sœur. C'est ma sœur? Ok. C'est une blague, là, tu te fous ma gueule. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ce n'est pas important. C'est pas important? Mais c'est pas important pour toi, c'est important pour moi, non? Non? Écoute. Je t'aime bien, mais. Ce n'est pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais. C'est toi qui choisis si c'est le bon moment ou pas, non? C'est toi, donc arrête de sortir des excuses à la con comme ça, non ?